Quand tu peins seul, chez toi, qu'on n'attend rien de toi, et que justement tous les matins il faut que tu te lèves pour aller tartiner des rectangles, et c'est pour ça que moi me lever c'était quand même très compliqué. Quand personne n'attend rien de toi, quoi. T'as pas d'échéance, t'as pas de. Alors ça va, 5 ans, 10 ans, 15 ans, enfin. J'étais quand même très désociabilisée, enfin. Enfin, je voyais des gens, mais j'étais tellement infernale qu'on m'invitait qu'une fois. Je me levais des repas parce que j'ai toujours, mais de quoi on parle, je me fais chier. Il faut qu'on parle de choses intéressantes. J'ai à résoudre des problèmes dans la vie et à batailler sur certains trucs, oui. Mais j'ai pas. Si j'ai des choses à dire, c'est. C'est sur les violences sexuelles sur les enfants, c'est sur les animaux, mais c'est pas ça que je vais peindre. Donc le seul truc, c'est ce que la peinture attend, quoi.
C'est quoi inventer d'être peintre? C'est peindre. Et moi, mon entourage a toujours été accablé par mon absence d'ambition, tu vois. J'ai jamais démarché une galerie, j'ai jamais... tous ils me disent, tu pourrais vendre plus cher, tu pourrais... Nanana. Mais j'ai aucune ambition, tu vois. Et j'en ai jamais eu, et tout ce que je veux, c'est avoir assez de fric pour payer mes toiles. Et je disais toujours, et pour avoir un... Si j'ai besoin... En fait, parce que je disais toujours, l'argent de mes désirs, je le trouve. Mais il me faudrait 1 million pour avoir un magnifique atelier, quoi. Et paf, j'ai rencontré Motoko. Et j'ai l'atelier, donc j'ai... Tu vois, mon argent, c'est juste pour le champagne et le matos et les livres, et c'est tout, quoi. Je voyage pas, je vais pas au restaurant. Mais c'est vrai que la solitude absolue du peintre, c'est quand même un truc où là aussi, Motoko m'a sorti de ça, tu vois. J'ai passé 1 an à dire, je parle à personne, moi je suis là pour bosser, j'ai pas le temps de faire la bise à chacun avant d'atteindre l'atelier. Et après, je me suis rendu compte que je les aimais, quoi. Tu vois, et c'est nouveau l'amour qui fait que... Ça change, et c'est le bordel, parce que t'as moins de temps, mais ce que ça te donne, c'est tellement encore plus grand, et... Il faut bien que vous compreniez, ici vous êtes dans une friche, un ancien site industriel de 200 000 m² de bâti. C'est colossal. Et en 2012, il y a un Suisse. Alors, pourquoi un Suisse? C'est pas un hasard. Bâle, il n'y a plus 1 mm de foncier disponible. Et donc, on est très très proche, on n'est même pas une demi-heure en train ou en voiture. Ce Suisse détecte toutes ces friches qui sont juste somptueuses sur le territoire mulhousien et vient proposer effectivement un projet à la ville de Mulhouse. Il est entendu parce qu'il est suisse. Il est artiste et il propose en fait un truc assez fumeux, mais dans l'air du temps. Il dit, on ouvre un bâtiment, on ouvre les portes à des artistes, on prend tous les artistes qui arrivent, on ne crée pas de règles et dans ce chaos, ils vont nous inventer la nouvelle façon de travailler de demain, ils vont nous inventer une période post-industrielle. Ce Suisse quitte les lieux très rapidement et puis on se retrouve sans gestionnaire du jour au lendemain, donc situation d'urgence. On me missionne pendant 1 an pour remonter une association de gestion. Et du coup, je fais appel à la dernière voie qui est le monde économique, le monde que je connais, d'où je viens. Et là, vous pouvez imaginer le truc. Une résidence d'artiste où on imagine la gestion par le monde économique, le diable. On est dans un lieu où il n'y a pas d'horaire de travail, il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de vacances, parce que les choix de vie des artistes, c'est comme ça. Et du coup, l'équipe Motoko, enfin on est deux, hein, je vous dis l'équipe, c'est un peu pour frimer, mais on n'est que deux, on est pareil, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'horaire. Et ici, il y a un relationnel qui est à la fois familial, professionnel, amical. Il y a plein de choses qui se mélangent. Et comme dans toute famille, on n'a pas forcément choisi son oncle ou sa tante ou son filleul, eh ben ça frite. Il y a des jours où ça hurle dans les couloirs, il y a des jours où les gens se serrent dans les bras, etc. Mais il y a une vraie vie complètement émotionnelle, complètement libre. Chacun a le droit de participer au collectif ou pas. Il y a des gens qu'on ne voit pas pendant 6 mois parce que pendant 6 mois, ils ont envie de contempler rien dans leur atelier. Et ça fait partie de leur processus et c'est extrêmement important de le respecter. I don't mind if the road is long. I don't mind if the road is long. I don't mind if the road is long. And we all get tired of moving on. You'll get wired into this song. Est-ce que c'est les mêmes techniques de broderie, non?
Non. Je brode, mais me regarde pas. Tu regardes pas? Moi, si je regarde pas, je me pique les doigts. La dernière vente de sérigraphie, je connais pas tes mots de calcul. Enfin, tu nous as fait un cours, mais j'étais pas là, et puis je sais pas comment calculer. Est-ce que je dois vous facturer? Je suis chiant, je sais. Du coup, on peut choper Martine, je demande. Putain, je te jure que les sujets sont hyper heureux, tu vois. Moi, j'ai un peu là, dans un endroit bucolique pour décrocher. Et puis, tac, t'es nouveau le MEDEF. Je file parce que vous m'énervez avec l'argent. Je suis désolé, Martin. En fait, le MEDEF, c'est pas du tout moi, tu vois. Non, mais on vous invitera, il faut venir. Ces artistes-là donc, créent une valeur d'image colossale. Et en plus, en travaillant en mission sur ces événements, apprennent à travailler ensemble. Alors qu'ici, on a quand même des plasticiens, donc c'est des individus complètement... repliés sur eux-mêmes, donc ils apprennent à travailler par équipe, ils ont du matériel très souvent qui leur permet de faire de l'expérimentation qu'ils n'ont pas en temps habituel, et puis en plus quand ils bossent une semaine de façon très intense, ils repartent avec un chèque dans leur atelier, et ça c'est quand même pas négligeable. Et avec ce système-là, en fait on passe nos premières années, ça marche, on est à l'équilibre financier, et en plus on génère du chiffre d'affaires pour les artistes sans les dénaturer de leur démarche artistique qui, elle, est dénuée de commandes. Et j'insiste là-dessus parce que ça, c'est pour moi quelque chose d'extrêmement important. À partir du moment où on enferme les artistes dans ces arts appliqués qui sont liés à une commande, on les tue. Donc on peut le faire, mais avec un équilibre pour respecter ce qu'ils sont. Ce qui se passe dans l'événementiel ici est quand même assez incroyable. Et c'est ce qui crée le côté très communautaire, ici et familial, de la vie, et qui est extrêmement importante hein, dans l'évolution de chacun, alors qu'on est dans un système totalement dictatorial. Ici, on n'a pas de gouvernance partagée, les artistes, globalement, on a un contrat de bail avec eux, c'est tout. Ils décident rien sur le papier. Par contre, le fait qu'ils bossent ensemble, et que notre avenir, en tout cas, est extrêmement lié, fait qu'il y a une dimension collective qui se pose, mais qui n'est axée que sur le désir. Ce n'est pas une contrainte juridique. C'est le désir, et donc c'est assez magique. Je pars sans savoir où je vais. Et bien sûr, je cherche tout le temps. Et je me disais l'autre jour que ce truc que je dis toujours de la peinture, c'est tout le temps, il faut résoudre un problème après l'autre. T'arrives à un endroit, il y a un accident, et il faut résoudre un problème. Tac. Et c'est que ça, c'est qu'une somme de résolution de problème, qu'une succession de pertes. Non, il faut que je sacrifie ce joli morceau, etc. Et l'autre jour, je me suis dit qu'en fait, dans ma vie privée, aussi, ce que j'aimais, c'était résoudre les problèmes. Et qu'ici, je les emmerde tous dès qu'ils ont un truc qui ne va pas. Je dis attends. À la Vincent Lindon, j'ai tout le tableau de bord qui s'allume. Putain, il y a un problème, il faut que j'aille. C'est un truc comme ça. Et même dans ma vie privée, en fait, j'adore l'adversité, quoi. La maladie, j'ai adoré ça parce que je disais toujours, mais j'attends un adversaire. Je disais tout le temps ça quand j'avais 20 ans, 30 ans. Je disais, j'attends un adversaire, quoi. Et ce qui voulait dire un interlocuteur. Et là, la maladie, ça a vraiment été le... Ah, ça y est. Mais bon, c'est la mort, voilà, ça a de la gueule, quoi, tu vois, ça a du panache. Mais ce truc-là, et je me suis rendu compte que c'est et dans mon travail, et dans mes relations, et dans... C'est cette espèce de... Et je peux même pas dire c'est un désir de résoudre des choses, mais c'est une espèce de truc de mission, quoi. Till they forget they were one of a kind.
Depending on where you stand, the image shows. Stories get told, new images unfold. They create anew from all. As stories take turn, old images burn until they're free and can return. If I knew all the words and I knew all their meaning, they still would not make sense. Senses create feelings. Mais même toutes tes tâches, elles montent toutes. En bas à gauche, là. Ouais, c'est vrai. T'es vachement dans le... Alors que d'habitude, t'as tes couches qui sont beaucoup plus orientales. Bah tu vois, ça y est, il me fallait ça pour l'ascensionnel. Et là, t'as le bas qui monte. Ton verre, un peu, c'est aussi celui que t'as en bas à droite de la deuxième. En fait, ça a infusé en moi sans que je me rende compte. Bon, et toi, le transport, t'as des nouvelles ou pas? Ouais, je... T'hésites encore. Mais ça me... De pas savoir comment ça va se passer, ça commence à me un peu stresser, quoi. Puis j'ai de plus en plus peur qu'elle soit abîmée. Enfin, c'est un peu le stress qui monte, quoi. Je suis vaugire, moi, la pluie, c'est mon élément. Ah oui, bah oui. J'ai rebossé un peu toute la partie, j'ai refait passer les arbres devant. Ah oui, bah c'est ça, c'est ce que je me disais, ouais. Tout en essayant de pas trop faire venir non plus. Mais parce que j'avais avec tous mes trucs de fond, c'est encore un peu vert. Le vert là, il est un peu agressif. Non, elle est top. Hein. On va créer de l'activité événementielle qui va nous faire gagner de l'argent. Argent qu'on va réinjecter dans la résidence d'artistes qui, elle, est totalement déficitaire puisque les artistes payent encore aujourd'hui entre 22 et 27 euros du mètre carré par an de loyer. Il y a 92 ateliers, en fait, dans les deux étages. Le matin, ça bosse moins que la nuit, normal. Derrière chaque porte, il y a un vrai univers, mais vous n'allez pas voir tous les ateliers, bien évidemment. On a l'habitude de faire peu de visites, parce que c'est assez pénible pour les artistes. En fait, un été, on voulait mettre Zotoco sur le toit. Ces gens grattaient à la porte pour venir nous visiter, comme on va au zoo, en fait. Et c'est vrai qu'on a plus envie d'aller regarder un artiste travailler que son banquier, mais pour l'artiste, c'est pas génial, en fait. Voilà. Donc on essaie de pas être trop envahissant quand on monte. Ça va ?